Il y a un an, il y a une volonté ferme à la CSVT où les gens du comité de parents, parallèlement avec des cadres de la commission scolaire, donc des directions d'établissement, des cadres de services, qui ont affirmé une volonté ferme de dire « on veut revoir la façon dont on fait les campagnes de financement ». De voir quelles étaient les meilleures pratiques, de quelle façon on pourrait s'y prendre pour changer les pratiques, mais vraiment avoir quelque chose de porteur. Donc, ils sont arrivés avec l'idée d'une campagne de sollicitation de dons, un peu comme les universités. Et le projet est parti de là. La commission scolaire a ainsi mis en place une nouvelle plateforme de dons en ligne. Cette plateforme permet de recueillir des dons de toute personne destinée à financer les activités de ces écoles et centres, jeunes et adultes. Le processus est très simple et le processus a été imaginé en fait pour ça, pour faciliter l'ensemble de l'administration, la réception et le traitement des dons, pour soulager les écoles pour qui c'était une tâche assez lourde là, de recevoir les dons, puis de procéder à l'émission des reçus pour fin fiscale parce que c'est possible aussi, là, selon la situation des personnes, d'avoir des crédits d'impôt. Alors, la plateforme, ce qu'elle permet, elle permet aux gens qui sont intéressés de donner, de faire un don à une école ou à un centre de la communauté scolaire de la Vallée des Tisserands, de se rendre sur le site Internet et de procéder immédiatement au don. Alors, en utilisant le bouton « Faire un don » qui apparaît sur la page d'accueil, les personnes sont redirigées vers la plateforme nécessaire. Ils peuvent sélectionner l'école ou le centre de leur choix. Alors, ce sont les personnes qui choisissent à quelle école ou à quel centre ils veulent donner. Et puis ensuite, ils entrent leurs coordonnées. Puis, ils procèdent ensuite au paiement via la plateforme PayPal et ils reçoivent automatiquement là, dans les secondes qui suivent, un courriel qui contient leur reçu pour fin fiscale. L'argent qui est versé, elle est destinée à une école ou à un centre, à l'école ou au centre qui a été identifié par le donateur. Et puis l'argent est immédiatement remis à l'école ou au centre dans un fonds destination spéciale. Alors, c'est ce qui est prévu à la loi sur l'instruction publique. Les sommes amassées servent à soutenir les activités de l'école ou du centre et sont versées dans un fonds destination spéciale dont l'administration est sous le contrôle du conseil d'établissement. Pour répondre à vos questions et vous expliquer à quoi servent les dons pour les écoles, qui de mieux placé? Que ceux qui profitent des dons. Shoot! Afin de promouvoir la culture de dons en éducation et la plateforme de dons en ligne, l'idée de tourner une publicité accrocheuse est rapidement apparue. Moi, je fais toutes mes affaires en ligne avec mes cartes. C'est tellement plus rapide. Tu peux, madame. On a une belle plateforme en ligne. C'est facile et sécuritaire de donner. À l'école de ton choix. Avec ta carte. C'est fait! En plus de la plateforme de dons en ligne, l'idée derrière tout ça, c'est aussi de mobiliser la communauté scolaire. Donc, toute la communauté scolaire, qu'on soit un artiste, qu'on soit un sportif, qu'on soit un homme d'affaires, des gens d'affaires, non, on se mobilise tout le monde pour le projet, là. Moi, mon neveu est en formation professionnelle. Ça me sert à rien, vos affaires. Les centres de formation professionnelle aussi, prenez donc ma tante Chantal. En tout cas... C'est un beau produit. En s'associant avec nous TV, Cogeco, ça donne un produit de qualité. Ça permet aussi de montrer qu'on peut se donner la main, tout le monde, dans la communauté. Les médias locaux, avec la commission scolaire, les écoles, on a des parents du comité de parents. On se donne la main pour les jeunes, c'est extraordinaire. En éducation, un don, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Les gens que vous avez vus dans la publicité, c'est des employés de la commission scolaire, des enseignants, conseillers pédagogiques. On a un président de conseil d'établissement qui n'est pas un employé de la commission, mais qui est un papa bien impliqué. On a des élèves. On avait des élèves du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes, de la formation professionnelle. Fait que je pense que les gens t'ont représenté. Et il y avait, en début de vidéo, là, le président de la commission scolaire là, qui passe la parole aux enfants. En vue de lancer la plateforme en grand, 27 écoles et centres de la commission scolaire tiendront un marcheton collectif le 17 octobre prochain et des personnes influentes de la communauté ont été invitées à parrainer un établissement scolaire en endossant le titre d'ambassadeur ou ambassadrice d'une école ou d'un centre. L'idée de la marche, puis déjà on parlait avec des directions qui disaient « bien, nous autres, ça va peut-être être une course, ça va peut-être avec du saut à la corde, les centres de formation professionnelle vont faire quelque chose, mais sous quelle forme? » C'est de mobiliser la communauté scolaire. Pas juste les élèves, pas juste les parents, pas juste les grands-parents, mais de mobiliser l'ensemble de la communauté scolaire, les gens d'affaires, les gens des milieux culturels, artistiques. Travaillons pour nos écoles. Faisons attention à nos écoles. Faisons attention à nos jeunes, qu'ils soient au primaire ou au secondaire, dans un centre FP, en FGA. On va faire attention parce qu'on est entre nous autres. Fait que, comme je disais au lancement du plan d'engagement vers la réussite, on peut-tu se faire attention entre nous autres? Et c'est ça l'idée de ça. Fait que, outre une sollicitation de dons, c'est vraiment de créer un mouvement pour les écoles de la CSVT.